les 14e éditions des Olympiades des sciences de l'ingénieur qui se tient pour la finale académique à Dijon, à l'école d'ingénieurs ESIREM. Cette année, les élèves de première et de terminale sciences de l'ingénieur ou sciences et techniques de l'industrie et du développement durable sont conviés à cette manifestation. Ils ont à présenter un projet qu'ils réalisent dans le cadre de leur formation. Projet de 36 heures en première STI 2D, 48 heures en terminale sciences de l'ingénieur ou 72 heures en terminale STI 2D. Ce sont des projets pluritechnologiques qui associent l'informatique, l'électronique, la mécanique pour répondre à des problématiques liées à des thématiques. Cette année, deux thématiques. Pour les premières, le sport, autour du sport. Et pour les terminales, la mobilité et le transport. Donc notre projet il s'appelle Lightning et ça consiste à faciliter la reconnaissance des différents terrains de sport dans un gymnase. Pour cela, on a une application qui fonctionne via le Bluetooth. Celle-ci, une fois connectée au terrain, on peut choisir donc, les différents terrains. Pour les Olympiades, nous avons développé le terrain de foot, de tennis et de basket. Ben, on a créé un bateau sauveteur télécommandé grâce à cette manette. Le projet que nous présentons est un robot télécommandé pour les sportifs ou les militaires durant un entraînement de tir. Donc c'est avec une cible qui s'adapte à la pente et à l'orientation pour le tireur. Nous vous présentons notre projet Beach Angel, qui est un prototype pour de futurs robots qui permettraient de filtrer le sable. Nous avons présenté notre projet séchoir PMR, donc il va permettre de sécher une personne à mobilité réduite, dans le cas présent une personne dépourvue de bras, grâce à une commande vocale ou manuelle avec le genou, ce qui va faire propulser de l'air sur son corps et ce qui va faire déplacer la plaque du haut en bas.